bien sûr tout le monde, c'est Mister B-Boy 45. Comment allez-vous les amis? Moi ça va très très bien et aujourd'hui on se retrouve pour la suite de notre incroyable aventure sur Spider-Man et nous en sommes à l'épisode 3. On devait retourner là où travaille Peter Parker évidemment, accompagné du Docteur Octopus, hein, enfin c'est pas encore Docteur Octopus, il s'est pas encore transformé, Octavius me semble-t-il, j'ai pas envie de dire n'importe quoi, nous sommes donc partis, merci à tous pour cet accueil sur les épisodes 1 et 2, vous étiez incroyables, vous êtes d'une beauté, vous êtes d'une beauté sans pareil si je puis me permettre, on y va, on continue direction notre quête, sachant qu'on avait déverrouillé une zone complète au niveau de la map. Ok, on est parti, cette fois-ci on est dans la réserve, très bien, et on a retiré évidemment le costume, rien de plus logique jusqu'ici, on va ouvrir avec le badge évidemment. Octavius Industries. Le doc est sorti pour la soirée, c'est le moment de passer à mes activités d'araignée. Très bien, c'est parti, on va donc faire quelques activités, peut-être des mini-jeux. Je vous en parlais pendant l'épisode 2, mais c'est vrai que j'aimerais bien voir si on va retourner à l'avenir dans notre chambre et pourquoi pas des mini-jeux dans la chambre, ça serait plutôt cool je trouve. Tiens, qu'est-ce qu'on a là par exemple? Ma remise de diplôme. Ah, ça me paraît tellement loin. J'étais en stage avec le doc. C'est lui qui m'a appris que je pouvais apporter autant au monde dans une blouse blanche qu'en collant. Voire plus. Ok, on est parti. Ah, il y a d'autres choses à regarder. My bad, on va les regarder tout à l'heure. Peter! Docteur Octavius, qu'est-ce que c'est que ça? Mon dîner. Si j'avais su que tu étais là, je... Sur quoi tu travailles? Sur un projet personnel. Alors c'est donc ça. C'est toi. Je vois pas de quoi vous voulez... Oh, je t'en prie, Peter, c'est évident. Je vais vous expliquer. J'aurais aimé que tu me le dises plus tôt. Mais je voulais le faire. Mais j'avais trop peur que ça se sache... Et que ma famille soit en danger. Oui. Je suppose que si tu crées tout son équipement, ses ennemis pourraient t'en vouloir. Ouais. Oui. T'en fais pas. Ton secret est bien gardé. Eh bien. Je te laisse travailler. Regarde tes mails. J'espère que c'est pas le doc qui me renvoie. Clairement, j'ai été le boss. Clairement, j'ai été le boss. Il a tellement bien esquivé. Ok. On va regarder. Ah, j'ai oublié de regarder à gauche. D'où Peter, quand j'ai découvert que tu étais le costumier de Spider-Man, d'ailleurs, est-ce le bon terme? Ça m'a rappelé ta valeur en tant qu'individu et en tant que partenaire. Tu as beau te tuer à la tâche, tu trouves toujours du temps pour aider les autres. J'espère que ça ne te dérange pas. J'ai remarqué que la tenue était un peu abîmée et j'ai pris la liberté de crayonner quelques arrangements. Tu trouveras ci-joint des idées que j'ai eues pour améliorer son costume et mieux le protéger. Il a fait tellement de choses pour notre ville. On forme un tandem extraordinaire et notre travail va changer le monde. Ton ami et partenaire, Otto. Oh, quel plaisir qu'ils lisent les emails à notre place. Oh là là, merci les gars. Blanche, hein. Très bien. Ok, ça c'est ma tenue. Vous pouvez maintenant utiliser vos jetons pour créer la tenue améliorée. Donc... Ok, terminer des missions annexes et des activités pour gagner des jetons. Ça c'est pas un problème. Maintenez croix pour fabriquer la tenue améliorée. Quelle est cette petite tenue tout à droite, là? Oh là là! Ah ouais, elle est tellement plus stylée. Bon, bah c'est la tenue du Spider-Man qu'on avait vue. Nouvelle tenue et nouveau pouvoir de tenue débloqué. Ah! En fonction de la tenue, chaque tenue a un pouvoir bien distinct. Très bien. Très très bien. Créer une nouvelle tenue équipe automatiquement le nouveau pouvoir de tenue. Appuyez sur croix pour continuer.
Ok. Utiliser le pouvoir de tenue pour revenir à un pouvoir débloqué précédemment. Les tenues peuvent être améliorées avec des modes de tenue débloqués et équiper les modes de tenue ici. Terminer mission et activité annexe pour débloquer des tenues, des pouvoirs de tenue et des modes. Utilisez les jetons, très bien. Les modes de tenue augmentent votre attaque et votre défense. Vous pouvez équiper 3 modes de tenue à la fois pour en devrait le faire. Cumuler les effets. Très bien, on est beau gosse. On est beau gosse, on va pas se mentir. Je suis Spider-Man quand même. Pardon, je suis en retard. Au devant. Bonjour, New York. C'est le même, mais en mieux. Allez, maintenant R2 pour vous balancer. On refait le même tuto. Peut-être plus rapide, je sais pas. À voir. Alors, je sais pas vous, mais j'aime beaucoup la tenue qui a été montrée dans le jeu. Cette tenue, je la trouve d'autres tours à activer. Vraiment stylée. Surtout le côté blanc appuyé de l'araignée. Ensuite, le petit rappel sur les bras et les pieds. Spider-Man, ma chérie, tu es fabuleuse. Comment les hommes de physique arrivent à maintenir ses activités via ses chantiers. Ça a pas fermé quand on l'a arrêté? Non, c'était l'une de ses activités officielles, avec différents investisseurs. Et impossible d'agir sans preuve. Mais on a ce qu'il faut maintenant, non? J'espérais que vous pourriez surveiller ces différents sites et me dire si vous remarquez quelque chose d'inhabituel. Entendu. Je serai votre araignée fouineuse du quartier. Ok. On a une tour ici, on en a une autre juste là-haut. On va les faire calmement. Les tours sont pas très relous en soi. Il y a pas besoin d'escalader sur 30 ans. De toute façon, on est Spider-Man. A-t-on vraiment besoin d'escalader? Je ne pense pas. Ça se fait très rapidement. Donc, on va faire les tours. Parce que clairement, c'est une de mes priorités d'avoir la map au complet. Ce serait plutôt cool qu'on le fasse assez tôt. Donc, on va se débarrasser entre guillemets du plus chiant assez rapidement. Ok, qu'est-ce qu'on a là? Hop. On est les boss. Allez, ça c'est fait, Midtown. Ah, on a quelque chose par ici. On va le faire pour gagner un jeton. Et pourquoi pas débloquer des tenues, ça serait plutôt cool. Hop, on va passer, hein, faut pas abuser quand même. Ok, on en a une autre là-haut. On va faire celui-ci, je ne sais pas c'est quoi. Oh, j'ai cru que j'allais me le manger, hein. J'ai cru que c'était pour moi. Ok. Allez, on est parti, j'ai été le boss. J'ai clairement été le boss. Hop, petite esquive. Aïe! Coup de pied de biche. Ah putain, lui il est plus chaud que les autres. Ok, lui il est plus chaud. Aïe! Ok. Aïe! Ok. Allez. Oh là là! Oh bah j'en suis tombé. J'en suis tombé des nues si je puis me permettre. Ok. Hop, ça c'est cadeau les gars. Ça c'est cadeau. Eh, lui on va le terminer. Oh, c'est tellement stylé. Les finishes sont vraiment pas mal en soi. C'est pas mal. J'ai été clairement le boss. Personne n'a rien à faire. Yes, je tombe crime 2. En évasion qu'en effraction. Eh ben on est pas mal messieurs. On est pas mal du tout. Qu'est-ce qu'on a là? On a un sac en plus pas loin. On va aller le récupérer. Oh mais je sens qu'on va passer un nombre d'épisodes juste à se balader pour le plaisir. Ça risque d'être assez insane. Hop, ça c'est fait. Jetons de sac à dos. Qu'est-ce qu'on a d'intéressant? On doit bien avoir une autre tour pas très loin. J'aimerais bien qu'on fasse... on a un sac à droite, on a deux tours devant. Et je crois qu'on avait une tour derrière aussi. On a un autre sac. Il y a des sacs vraiment partout. Hein. Je sais pas combien. À lui tout seul, il a fait tourner Carrefour, hein, je te le dis. Okay. Allez, on y va, on va le faire. C'est juste au passage. Ça va être horrible. Ben ouais, mais les gars, ça va être horrible, mais... On en veut des jetons, clairement. Oh, j'ai été le boss en vrai. Nous nous réservons le droit de ne pas servir et d'expulser les criminels. C'est écrit juste là. Ok. Ils sont très nombreux. Aïe. Ok, lui il est chaud. Hein. Ok. Pff, oh là 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 là. Tout ce que j'ai fait là, c'était beau, hein. C'est... Ah non, c'était cinéma. Là, les gars, c'était pour le côté. Je vous l'ai dit, hein. C'était pour le côté film. Tellement les boss. Mec, c'est tellement insane.
Oh là là, non mais j'adore. J'adore. Alors là, faut pas être très futé pour braquer une boutique dans la ville que Spider-Man protège. Ok. Allez, on a une tour juste ici, on va y aller. Les policiers arrivent. C'est pas mal, hein. Franchement, là, clairement, on a été les boss. On va faire celle-ci. Je sais pas si c'est encore Midtown. Je connais pas les quartiers par cœur. Ok. C'est tellement kiffant. Les gars, franchement, je vous le dis, on est au troisième épisode. Toujours un kiff, vraiment. Qu'est-ce qu'on a là? On va faire ça. Bougez pas. On va faire ça. Voilà. Allez, abuse pas quand même, frérot. Si. Voilà. Oh merde, fallait rester appuyé. On est bon. Ok, Greenwich. Pourquoi pas. Ça, c'est fait. Et qu'est-ce qu'on a d'autre? Qu'est-ce qu'on a d'autre? Les tours, hein. Très important, les tours. On a un sac pas loin. On a un sac pas loin. On va aller le récupérer. Oh, ça risque d'être terrible, hein. Les premiers épisodes, parce qu'on n'a pas toutes les tours. Rendez-vous à Madison. Allez, ça c'est fait. Et qu'est-ce qu'on a d'autre par ici? On a une tour juste à côté de notre objectif. Allez, on va se rapprocher tout de même de l'objectif. J'ai pas envie de me faire engueuler. Mais désolé les gars, je kiffe me balader en fait. Genre, bah c'est Spider-Man les potes, tu vois. C'était là, t'es dans la rue, t'es un peu le boss. Quelqu'un veut me tester? Objet trouvé, ça c'est fait. Hop, désolé Jésus. Mais que Jésus protège l'Amérique tout de même. Attends, elle est où la tour? Elle était pas loin. Ah ouais, putain, elle est totalement là-haut. Ok. On fonce. On va la faire vite fait. Bon. Ok, il est où l'ordinateur? Il est là? Yes, on est bon. Allez, heureusement que c'est pas très chiant. Franchement, ça fait extrêmement plaisir qu'ils aient transformé ça en activité sympa. Greenwich, couverture complète. On a été les boss. On a clairement été les boss. Niveau supérieur, level 3. On a un sac. On a un crime. Point de compétence total 2. Pas mal du tout. Hop, hop, c'est rien. On va y aller calmement. Que serait New York sans ses trafiquants de drogue? C'est juste histoire de dire. C'est vraiment de la mode. Ça devrait être interdit. Coucou, je peux mieux. Vous m'avez dit que l'araignée était en vacances. Oh putain. On dirait des petits apprentis fisc. Ok. Trop mignon. Ok. Ok. Allez, c'est terminé pour vous. Rendez-vous, vous êtes cernés, je suis Spider-Man. Oh, j'aurais mis leur part. Hein. Hop, c'est terminé, ça dégage. Allez, file-moi les jetons. On n'en parle plus. Oh, jetons fois 3. Toujours un plaisir de faire capoter une vente de drogue. Oh. Ah, il y a un nombre de crimes aussi spécifiques dans chaque quartier. Qu'est-ce que c'est que ça? Frérot? Qu'est-ce que tu veux? Ouais, c'est comme ça. Oh, le boss! Qui fait ça un peu? Qui fait ça? Allez, on se casse. Direction notre objectif. On a avancé pas mal au niveau secondaire et on va débloquer pas mal de tenues cool aussi. Yori, je suis sur l'un des chantiers de Fisk. Y a pas mal de monde ici, mais aucun ouvrier du bâtiment a priori. D'accord, et qu'est-ce qu'ils font? Je vais essayer de voir ça. Un SMS du doc. On dirait qu'il a mis un concept de Spider Gadget en pièce jointe. Il arrête jamais. Très bien. Ouvrir la page des gadgets grâce au plan d'auto. Vous pouvez désormais fabriquer la toile de choc. Très bien. Maintenez croix pour la fabriquer, c'est fait. Et qu'est-ce que ça m'offre? Débloquer de nouveaux gadgets avec les jetons ou les pièces trouvées en mission. Il y a pas mal de choses à débloquer à mon avis. Gagner des jetons en terminant les missions. Bref, ça, vous l'avez compris, c'est fait. Puissante explosion de toile qui emprisonne instantanément les ennemis. Alors ça, je veux bien les potes. Non mais attendez, on peut même améliorer ça. Ajoute un utilisateur à la réserve de ce gadget. Oh, ça va jamais s'arrêter, il y a tellement de choses à débloquer en vrai. Fenêtre d'esquive. On avait dit quoi? On avait dit qu'on débloquerait tout cela. Bougez pas les gars, on va le faire. Voilà, j'ai qu'une parole, histoire d'avoir plus de choix, plus de trucs sympas qui s'offrent à nous. On n'a plus deux points de compétences de disponibles. Et on a ça qui est pas mal aussi. Et je crois qu'on peut
Merde, achat possible. Ça coûte 3 jetons de crime. Recharge plus rapidement le lance-toile. Pas mal. Jetons de sac à dos. D'accord, je comprends. Va falloir qu'on reste... bien souvent, à mon avis. Jalon, très bien. Personnage, Peter Parker. Ok, bon, ça, c'est pour avoir un résumé global. Ça, c'est les techniques. Très bien. Ok, c'est pas mal. On a beaucoup de choses. On va y retourner, hein, clairement, dans ce menu. On va passer bien plus de temps à l'avenir. Ne vous en faites pas. Niveau carte, on en est où? Regardez, c'est pas mal. C'est pas mal. Il y a cette partie qu'on n'a pas faite, mais c'est pas dégueu. Ça pourrait bien marcher. Ok, maintenez L1. J'arrive pas à lire. J'aurais dû prendre mes lunettes. Ok, et appuyez sur R1. Parfait. Le doc serait fier. Oh, c'est pas mal. J'arrive pas à croire que Spider-Man ait fini par gagner. Ça se recharge ou pas? On a perdu une bataille, mais pas la guerre. Je sais. Mais je me souviens quand c'était... Oh, genre le mur, il approque le... J'ai régulièrement une raclée. Je pensais même... pas venir, celle-là. T'aurais pas d'attaquer au... Lui, ça dégage. Bon, on avance. Ça, c'est pas mal. Ça, c'est pas mal. Oh là là, mais c'est tellement stylé. Oh, mais mec. Oh, mais les gars, mais c'est incroyable. C'est Spider-Man. Vous savez quoi faire. Oh. Oh, mais je... Non, mais c'est juste fou. C'est juste fou ce qui se passe. J'en suis bouche bée. Voilà ce qui arrive. Oh là là, c'est tellement ouf. Je kiffe toutes les interactions avec le décor. Ce petit côté cinématographique. Hop, du béton, mon pote. Oh là 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 là. Mais c'est tellement stylé, vraiment, hein. Ok, c'est pas grave, il a tiré sur son pote par la même occasion. Oh non, en voilà d'autres. Mais ils sont combien là, les frères? Ok, lui il va être chiant. Spider-Man, on a finalement arrêté 4 trafiquants d'armes dans un rayon de 3 pâtés de maison autour du chantier. Du trafic d'armes? Je vais voir ce que je peux faire. Oh là là là, non les gars, je suis à la fois concentré, mais à la fois subjugué de la simplicité et la kiffance des combos. Franchement, c'est tellement un kiff, quoi. Ok, on va essayer de monter et les choper. Ok. Allez, ça dégage. C'est pas mal. C'est pas mal du tout. Le jeu est pas si évident. Toujours, toujours une difficulté constante. Et bien plaisante. On est à quelle vague là? Ok. Ok, ça c'est fait. Plus d'autre. Vague numéro 4. Votre nouvelle tenue dispose d'un pouvoir de tenue. Les pouvoirs de tenue vous confèrent des aptitudes spéciales. Votre pouvoir de tenue actuel génère de la concentration en continu. Une fois celle-ci utilisée, votre pouvoir de tenue se régénère. Appuyez sur L3 et R3 pour activer votre pouvoir de tenue. Oh yes. S'ils ont dû appeler leurs copains. Ok. Oh là 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 là, mais c'est tellement un délire. C'est tellement un délire, les gars. Super, il y en a d'autres. Bienvenue à la fête. Laissez vos chaussures à la porte, sauf si vous n'avez pas de chaussettes. Mais dans ce cas, c'est quoi votre problème? Ok, c'est pas mal. On va s'occuper de ceux qui ont des armes dès le début. Ok, ça on va le renvoyer là-haut. Là je vous avoue que je sais pas du tout où ils sont. Ok, ah ouais d'accord, c'est bon, j'ai compris où ils étaient. Non, j'avais esquive. Oh non, tout Jésus, la caméra. La caméra qui m'a porté préjudice. Putain de merde. C'est chaud, hein. Ok. Ça devient vraiment chaud. Je suis hyper concentré. Je pensais pas être autant concentré
dans un Spider-Man, mais là, les gars... Personne ? Waouh ! Putain, heureusement. Oh là là, c'est chaud. Waouh ! Mais arrêtez, les gars ! Tranquille ! Ok. C'est chaud, hein. Oh putain. Qu'est-ce que c'est? Ah d'accord, ok, ok, ok. Ok. Comment il a fait ça? Oh là 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 là. Je prends des coups du destin, frère. C'est terrible. Ouais, je suis mort. Non, c'était terrible, les gars. C'était terrible. Mais qu'est-ce qui se passe? Quatrième vague, cinquième vague, ça s'arrêtait plus. C'était incroyable. Oh, c'est chaud. Je pensais pas, mais jamais de la vie. Je me suis dit, faut être autant concentré. Ok. Allez, on essaye de se la faire. Normalement, j'ai récupéré toute ma vie. C'est plutôt cool. Ok, c'est pas grave. Super, il y en a d'autres. Ok, j'ai été le boss. Bienvenue à la fête. 25, les gars, arrêtez-vous. Laissez vos chaussures à la porte, sauf si vous n'avez pas de chaussettes. Mais dans ce cas, c'est quoi votre problème? Ok. Putain, c'est chaud. Speeder sensible. T'as vu le nombre de... Oh, mais c'est dingue. Ok. Ça, on s'en débarrasse, Izzy. Qui a envie de se rendre? Dernière vague. Oh bah putain. Merci de me prévenir, les gars. Parce que je croyais que c'était. Vraiment cool que c'était infini. Ok. Mais attends, j'ai esquivé. C'est tellement chaud. Tellement chaud. Oh là 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 là! Vous êtes fous les mecs, hein, no joke! Allez, va chercher! Non! Quoi? Aïe aïe! Ah, mais c'est incroyable! Les gars! J'ai rien à vous dire, il y a juste à regarder! Quoi? Ok? Ok. Oh putain de merde. C'est incroyable. Mais j'en peux plus, j'en peux plus. Laissez-moi vivre. Arrête. Hey, je peux pas le tuer. Oh, ah putain. Ok, je l'ai one shot. Grâce à la concentration. Incroyable. Il en reste plus qu'un. Je sais pas du tout où il est. Il est là. Oh la vache, les mecs. J'ai besoin de souffler là. Il s'est passé beaucoup trop de choses. Repère de Fisk. Merde. Vous avez vu la difficulté du bordel? L'endroit est condamné, capitaine. Couvert de toile, pour être précis. Et quelqu'un a enfin signalé des coups de feu. J'ai donc pu envoyer des agents. Beau travail. Allez, je tombe bas, ça, c'est fait. Fisk a d'autres chantiers en ville. Ah ouais. Je parie que ce sont aussi des façades. Ouvrez l'œil et faites-moi signe si vous voyez quoi que ce soit de suspect. Alors si ça te gêne pas, on va y aller tranquille, hein, parce que là je suis vraiment en sueur. Tu m'as fait saigner. Nouvelle tenue. Regardez tout ce qu'on a. Donc ça c'est les tenues, très bien. Je peux débloquer ça. Costume de Spider-Man noir. Les ennemis en alerte n'appellent plus les renforts. Ah, ça a l'air pas mal. Costume classique, très bien. Vous projette dans les airs et entoile les ennemis autour de vous. Costume Scarlet Spider. Technologie de réalité augmentée générant des leurres holographiques étourdissant les ennemis. C'est pas mal du tout. Et qu'est-ce qu'on a là? Ça, c'est lequel, celui-ci? On sait pas. Achat possible. Mais pas du tout. Ok, j'ai été feinté. On peut déjà débloquer quelques petites tenues très sympas. Ça demande un jeton de base.
D'accord. Et deux jetons de sac. On peut peut-être débloquer celle-ci. Celle-là, elle me paraît pas mal, hein. Biomembrane hybride générant de la concentration pendant un court instant. Non, j'avoue que j'ai pas kiffé de ouf. Alors que celui-ci, les ennemis en alerte n'appellent plus les renforts. Ça me plaît bien. Ça me plaît bien. On va prendre celui-ci. On va prendre celui-ci. On va se l'équiper un petit peu. On peut changer de tenue à chaque fois pour le plaisir aussi. Pouvoir de tenue, on est bon. Et là, qu'est-ce qu'on a là? D'accord. Ok. Ah ouais, ça s'arrête. Je pensais que c'était sur le temps. Ok, on va garder la tenue un peu plus classique. On l'a acheté, c'est pas grave. De toute façon, on refera d'autres bases, on refera d'autres trucs bien sympas. Si je veux trouver tous les chantiers de Fisk, il y a qu'une chose à faire. Je dois augmenter la précision de mon logiciel de navigation. Niveau 4. Je devrais y arriver en appliquant un traitement 3D à des photos de bâtiments et de monuments. Et je sais par lequel commencer. Allez, on est parti. Direction les sacs. On va faire quelques petits sacs et on va pouvoir s'arrêter là. On a bien avancé, on a découvert... Encore une fois, on est toujours dans les quêtes annexes, c'est ça qui est assez incroyable. On a découvert donc les repères de Fisk qui risquent d'être bien chiants à l'avenir. Ça marche par vagues, il y a 5 ou 6 vagues en tout cas pour le premier. Et on a galéré, mais on a galéré plutôt positivement. Hop, je prends. Voilà, on va aller à l'autre qui est juste à côté. Il est où? Oh, c'est mignon, une peluche. Peter, bonne nouvelle. Je crois que j'ai arrondi les angles avec le comité de subvention. Si l'essayage du première classe Texidor se passe bien demain, ça devrait aller. C'est fantastique, Doc. Les affaires reprennent. Provisoirement, tant que notre petit incident ne parvient pas aux oreilles du maire. Tu seras à l'essayage demain? Absolument. Ça va être génial. On va changer le monde, Doc. Si on ne déclenche pas de cataclysme, c'est déjà formidable. À demain, Peter. On va marquer les annales. Oh, j'adore marquer les annales, hein. C'est ce qui me marque le plus. Ok, sac à dos trouvé. Bon, on en a récupéré pas mal, c'est plutôt cool. On va faire l'antenne qui est juste là-haut. Possible vente de stupéfiants signalés. Allez, on va faire un jeton de crime aussi. Donc, clairement, si vous voyez des crimes, faites-les. Oh, on dirait des petits apprentis Fisk. Ok, je vois que je prends ma part gratuitement. Ça fait plaisir. Ok, ça c'est fait. Non mais lui il met des patates frérot. Waouh. What? C'est quoi ce combo qui m'a collé frère? Damn Daniel. Ok. Ah par contre j'ai gardé le silence et d'or. Ça c'est très important. En gros tu peux changer la tenue mais garder le pouvoir d'une tenue débloquée. Et ça c'est plutôt cool. Ah fais chier putain. Ah ça m'a... Bah ouais bah j'ai pas eu mes jetons de crime. Ah il était chaud. Non en vrai il était chaud. Je peux pas faire. Pas ce qu'il multi, il me combo comme ça. Il m'a mis ma part. Je méritais. Peut-être trop arrogant le speedy. Et ben voilà. On y est. Alors. Aucun problème. Encore un quartier déverrouillé. Ah c'est bon en plus. Allez on va faire tout le quartier. On va faire tout le quartier les gars. Je suis désolé mais je suis en plein kiff. Donc j'ai envie de me faire plaisir avant tout. On va faire tout le quartier, on a le temps d'aimer. Comme ça on a au moins le sud de New York. Je pense que c'est assez important d'avoir le sud de New York. Ça a toujours été mon rêve. Pas le nord, c'est pas très intéressant. Mais c'est vrai que le sud il fait envie quand même. Hop. Ça on prend aussi. Ça c'est fait. On a un autre sac là. On a une antenne là-haut. Allez, on va faire l'antenne là-bas. On y va tranquillement. Ah, il y a des malfrats. Allez, on fera ça plus tard, c'est pas grave. Rien ne presse. J'ai hâte de voir d'autres tenues aussi, d'autres trucs cool. À mon avis, il doit y avoir des tenues insane, vraiment. Ah bah, il est pile poil sur le comico. Allez, on y est. C'est parti. Fais-moi rêver. Ok. Ça s'est fait aussi. Quartier des affaires, 2 sur 3. On fait le dernier et on va pouvoir s'arrêter là calmement. Donc respirez, tout va bien se passer. En plus, ce qui est quand même assez ouf, c'est qu'il y a du monde partout. Il est là où le dernier. Il est là où, il me semble que c'est le dernier. Un souple d'unité, un véhicule est actuellement pris en chasse. Ah mais c'est un véhicule, il va me faire balader partout.
Ok, on va y aller. Allez, on y va. Toi, je te mettrai pas 5 étoiles. Ok. Mais c'est pas vrai. Je suis débile ou quoi? Attends, la vie de ma mère, hein. Tu m'as provoqué. Allez, ça dégage. C'est bon, tu m'as gonflé. Ok, donc j'ai compris. Ça, ça dégage. Ça, ça dégage. On est bon. On est bon, ça c'est fait. On va arrêter la voiture, évidemment. Ah, j'ai perdu de la vie, c'est que j'ai pas réussi. Eh, faut être tellement rapide. On est bon? J'ai pas eu ma récompense. Il en arrive d'autres? Les gars, si vous vous donniez autant de mal dans un vrai boulot, vous auriez pas besoin d'un criminel. Ok. Ah! Ah! Je me fais arracher. Je me fais arracher. Les gars, y'a personne qui me respecte dans cette putain de ville-mère. Je vais tout brûler, putain. Je vais tout brûler. Je vais y aller au napalm là-dedans. Hein. Putain, sérieux, les mecs. Respectez-moi, merde! Ouais, putain, il est tout là-haut. En plus, bougez pas, mais ouais, c'est totalement le dernier. Allez, on est parti! Oh ouais, ça va tellement plus rapidement comme ça. Et boum! Dernier quartier déverrouillé. Ouais, je me suis fait... c'était terrible. J'ai pris ma part, clairement. On est bon! Ça, c'est fait. Quartier des affaires complètement déverrouillé. Allez, j'ai envie d'aller récupérer le sac juste en bas parce que la vue elle a l'air magnifique et on va pouvoir s'arrêter là, sachant qu'on n'a toujours pas avancé. On va y aller en pique. C'est tellement magnifique le jeu. Tellement magnifique, vraiment. On n'a toujours pas avancé, mais quel plaisir. Quel plaisir. J'espère que ça vous ennuie pas trop. Dites-le moi, n'hésitez pas à me dire si ça vous fait chier que je prenne entre guillemets autant mon temps. Rendez-vous à Park City. Allez, on va devoir... Putain, c'est pas loin. Non, on va s'arrêter là, faut arrêter les bêtises. N'oubliez pas le j'aime et le commentaire. On se retrouve très bientôt pour l'épisode 4 de notre aventure sur Spider-Man. J'espère que cet épisode vous a plu. A bientôt tout le monde. Ciao, ciao.